Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un long moment où je m'étais absenté, pas par choix. Disons qu'en début d'année, j'ai été hospitalisé pour refaire pas mal d'examens par rapport à ma santé qui merde un peu. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu quelques petits trucs passer. J'ai eu beaucoup de difficultés suite à ça parce que j'ai appris notamment que le traitement que je prenais, qui m'avait aidé pendant un an à bien récupérer, eh bien, sur les 6 derniers mois, j'ai tout perdu. Voilà. Le traitement ne fonctionnait plus et j'ai perdu ce que j'avais réussi à récupérer sur les 1 an précédents. Donc, ça fout un petit coup au moral et ça aide pas pour revenir à l'atelier ou à refaire quoi que ce soit d'ailleurs. Mais je me suis remotivé. Comme je dis toujours, il y a pire dans la vie, il faut avancer. Il y a pire d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec ce virus. D'ailleurs, restez chez vous, prenez soin de vous et merci à tous ceux qui aident d'autres personnes, que ce soit dans les hôpitaux, ceux qui livrent ou autres, comme mon frère d'ailleurs, que je remercie aussi parce que il est cuisinier et qu'il fait des repas, notamment pour les plus démunis, tous les jours. Donc merci. Merci à tous ceux comme ça qui aident. Vraiment, c'est chouette, je trouve. Je trouve complètement con, par contre, ceux qui continuent à sortir et à faire un peu n'importe quoi. Restez chez vous, vraiment, c'est important. Maintenant, j'ai la chance d'avoir l'atelier, d'avoir un extérieur. Donc, j'ai les enfants à la maison, j'ai ma compagne aussi. Donc, j'en profite et il faut toujours positiver. Et voilà, il faut vraiment essayer de tirer le mieux de cette situation, même si ce n'est pas facile pour tous ceux qui sont cloîtrés dans des petits espaces. Bref, je ferme la parenthèse. Prenez soin de vous, c'est important. Aujourd'hui, je vais vous présenter des gabarits que j'ai fabriqués. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Je vous mets les liens en description. Allez voir, abonnez-vous. Je vais partager de plus en plus de choses. Je vous mets une petite photo de ces gabarits. Ces gabarits, c'est pour réaliser des cumicos. Les cumicos, il y a plein de sortes différentes et je vous présenterai ça dans une seconde vidéo où je ferai un exemple de cumico shoji. Je ne sais pas si je le prononce bien, bref. Je vous ferai un autre exemple un peu plus grand que ça. Celui-ci, c'est un petit exemple. Je vous mets un agrandissement à côté. C'est un petit exemple que j'ai fait pour tester rapidement. Il y a deux tout petit défaut, c'est vraiment pas grand-chose et c'est simplement dû à une erreur de ma part parce que j'ai pas fait de plan pour faire celui-ci, donc je ne connaissais pas les longueurs exactes des différentes pièces et je me suis fait avoir en fait parce que j'y étais à tâtons. Le premier coup était top, j'ai voulu peaufiner un peu plus parce que je pensais que c'était bon et en fait tout tient sans collage ici. Ça tient simplement par la pression qu'exercent les différentes pièces entre elles. Et il y en a une que j'ai coupée un dixième trop court, peut-être la pression n'est plus la même et dans le coup il y a un petit jour. Bon, et c'est pas grave, c'était un apprentissage, toutes mes pièces sont pas forcément à la bonne longueur, etc. Vous voyez, on peut les sortir facilement, je peux les remettre extrêmement facilement. Pour les prochaines, eh bien, je les collerai. Et puis on verra ça dans une prochaine vidéo, ce prochain test. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur la fabrication de ces différents gabarits-là et de celui-ci. Celui-ci qui me sert à poser le rabot et à venir en fait calibrer toutes mes baguettes de bois à la même épaisseur. Pour l'exemple que j'ai fait dans cette vidéo, je l'ai réalisé en tilleul. Trêve de blabla, je vous laisse avec la vidéo sur cette réalisation. Je vous laisse regarder ça. N'hésitez pas à aller lire la description de la vidéo et on se retrouve sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo où je réaliserai quelque chose de plus conséquent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon visionnage. Salut!